Salut tout le monde et bienvenue dans Reset, l'émission 100% jeux vidéo. Et du jeu, il va y en avoir un paquet aujourd'hui avec pour commencer des rapidos extra frais, dont le nouveau DBZ, Super Sonic Warriors numéro 2 sur Nintendo DS. Également au programme, le magnifique Devil Kings, ça c'est sur PS2, et une curiosité, Ed, Ed and Eddie, dispo sur PS2 et PC. Ensuite, le reportage du jour vous fera visiter l'expo sur les coulisses du jeu vidéo à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette à Paris. Des jeux, des ateliers, des conférences, il y en a pour tous les goûts. Il sera temps de passer au grand test consacré à Zathura, l'adaptation du film du même nom qui vient de sortir au cinéma. Et il sera déjà temps de se quitter avec Full Auto, le nouveau jeu de Sega à découvrir en avant-première avant même sa sortie sur Xbox 360. Salut tout le monde, c'est Bertrand, c'est Reset et c'est les vacances pour les plus vénards d'entre vous. Mais que les autres se rassurent, Reset reste ouvert pendant toutes les vacances de février, histoire de vous concocter des bons petits menus entièrement composés de jeux vidéo. Et ça commence comme d'hab avec des news toujours très très fraîches. Les jeux basés sur la licence Star Wars continuent de sortir à un rythme régulier. Et le prochain a pour titre Empire at War. C'est sur PC que ça se passera et c'est bien logique puisqu'il s'agit d'un énorme jeu de stratégie dans lequel vous choisissez de jouer soit le côté obscur, soit les forces rebelles. Les affrontements se dérouleront aussi bien sur Terre que dans l'espace et vous devrez gérer des armées entières de soldats et de vaisseaux. Alors prenez date, Empire at War arrive le 17 février. Vous avez vu le test de Dead or Alive 4 sur Xbox 360 il y a maintenant quelques semaines dans Reset. Mais aujourd'hui, sur quoi travaille le studio Team Ninja à l'origine de cette saga? Eh bien tout simplement, sur la suite de Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Souvenez-vous, cette simulation de vacances sur une île paradisiaque a eu un beau petit succès et du coup, une suite est d'ores et déjà en chantier sur la 360. Il paraît même que les séquences cinématiques sont d'ores et déjà terminées. On espère pouvoir y jouer en mai à l'E3 de Los Angeles, là où le sable est chaud et les filles sont jolies, comme dans le jeu, quoi. Et on termine ces news très très fraîches avec des images toutes mignonnes de Hello Kitty, la grande kermesse. C'est disponible depuis peu sur PC et cela va certainement ravir les plus jeunes d'entre vous, ou leurs petites sœurs par exemple. On y retrouve 8 petits jeux d'arcade très simples et très sympas qui mettent en scène la mignonne petite chatte et tous ses amis. En plus, c'est vendu moins de 20€. Sympa Hello Kitty! Ça vous a plu ces news très très fraîches? Vous en demandez encore? Eh ben ça tombe bien, on remet ça demain car Reset sur Canal J et chaque week-end, c'est comme les écrans de la Nintendo DS, il y en a deux. Et justement, c'est sur DS que ça se passe pour la suite car on attaque nos rapidos avec le très attendu Dragon Ball Z Super Sonic Warriors numéro 2. Faites chauffer les Kamehameha! On commence ces rapidos avec les guerriers les plus décolorés de tous les jeux vidéo, c'est bien sûr Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2 et ils reviennent exclusivement sur Nintendo DS. D'emblée, on est impressionné par le nombre de modes de jeu proposés, entre le mode story où l'on revit tous les plus grands moments de la série animée, les duels, les tournois ou encore le multijoueur, on sait direct que l'on va passer pas mal de temps scotché devant sa console et ça, c'est rassurant. Bon mais alors comment ça se présente? Évidemment, on a affaire à un jeu de combat où l'on retrouve tous les héros de la saga. Sangoku, Vegeta ou encore Petit Cœur sont de la partie. Au total, ce ne sont pas moins de 30 persos jouables dont pas mal sont à débloquer. Motivation donc si vous souhaitez tous les récupérer. La grosse nouveauté de cet opus est que désormais, les affrontements peuvent se dérouler à plusieurs. C'est-à-dire que l'on choisit une équipe de 3 guerriers et grâce à l'écran tactile en bas, on peut changer de combattant pendant la partie. C'est quand même très fort et ça apporte un brin de stratégie au duel souvent bourrin de Dragon Ball Z. De plus, si vous appuyez au bon moment sur l'écran du bas, vous pourrez alors déclencher un méga combo où vos collègues mettent la main à la pâte. C'est franchement génial et l'effet est dévastateur sur l'ennemi. Bien entendu, les combats sont toujours aussi impressionnants et les Kamehameha plus fous que jamais. En revanche, la prise en main vous demandera un petit temps d'adaptation, mais une fois que vous aurez plié l'entraînement, les Saiyans n'auront plus de secrets pour vous. Au final, DBZ Super Sonic Warriors 2 sur DS est un excellent jeu de baston comme on en voit peu sur console portable. En plus, si vous êtes fan de la série comme nous, vous allez vous éclater. Tout ça vaut bien un joli 17 sur 20. Merci Goldie. Devant le succès de la série des Dynasty Warriors,
l'éditeur Capcom n'a pas pu résister à la tentation de reprendre la recette et de la remanier à sa sauce. Le résultat s'appelle Devil Kings, il est à déguster en exclu sur PS2. Dans un Japon féodal ravagé par la guerre, plusieurs armées s'affrontent pour le contrôle du territoire. À la tête de ces armées, on retrouve des guerriers surpuissants, capables d'affronter des centaines de soldats. Et c'est justement un de ces guerriers que le jeu vous propose d'incarner. Chacun des héros est différent des autres, dans son style de combat, mais aussi dans ses motivations. Ces différences sont mises en avant dans de superbes cinématiques, et ces personnages sont tellement charismatiques qu'on a envie de tous les jouer. Après avoir choisi celui qui convient le plus à son style, on découvre une carte du Japon divisée en plusieurs zones. Le but est d'en contrôler le plus possible, et pour cela, il faut battre un par un les chefs des armées ennemies, qui sont alors débloqués et jouables à leur tour. On trouve ainsi, au final, pas moins de 16 héros différents. Les combats sont comme vous le voyez très dynamiques, même si la caméra entièrement manuelle est parfois délicate à gérer, il est très facile d'enchaîner les combos, ce qui est utile pour gagner de l'expérience, car plus on amasse de points, plus elle monte vite. De plus, au fur et à mesure du jeu, on débloque de nouveaux coups et on peut même récupérer des trésors. Au vu du nombre d'ennemis affichés simultanément à l'écran, le jeu s'en sort très bien point de vue graphisme et animation. Les ennemis sont assez variés pour que l'on ne s'ennuie pas, et il en va de même pour les missions, comme celle où l'on doit poursuivre un autre héros à cheval. Pour conclure, on peut dire que ce Devil Kings est un plat savoureux sur PS2. Chez nous à Reset, on en demande. Du coup, la note de Reset est très bonne, 16 sur 20. On termine ces rapidos avec un trio de gamins complètement déjantés, adaptés d'un dessin animé, c'est Ed, Ed and Eddie, The Misadventure. Et ils déboulent comme des fous sur PlayStation 2 et PC. Pour la petite histoire, sachez que nos trois héros ont un souci, ils ne peuvent s'empêcher de faire des farces à leurs potes de l'école. Et bien sûr, personne n'apprécie vraiment leur humour. Votre mission sera donc de rendre dingue vos amis en inventant différents pièges vicieux, tout un programme. Dans le jeu, vous incarnez les trois personnages à la fois, vous devrez donc passer de l'un à l'autre en permanence selon le problème à résoudre. Vous vous en doutez, chacun possède sa spécialité et il faudra combiner leurs compétences pour arriver à vos fins. Super coup pour détruire les obstacles ou courte échelle afin d'accéder à un niveau élevé, c'est à vous de gérer. La prise en main n'est pas mal du tout et enchaîner tous ces mouvements ne demande pas 3 heures d'entraînement. En revanche, les caméras ne suivent pas vraiment l'action et on perd vite patience lorsqu'on ne voit pas d'où vient le danger. Esthétiquement, c'est assez moyen. Même si les niveaux tout en cel-shading reprennent les thèmes de la série animée, on ne peut pas dire que c'est la claque visuelle. Au final, Ed, Ed and Eddie sur PS2 et PC n'est pas le méga hit attendu, mais si vous êtes fan du dessin animé, vous ne serez pas déçus, car l'humour loufoque de la série est préservé. Allez, comme ils nous font bien marrer quand même, ils reçoivent un bon 14 sur 20. Chaud, 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 les rapidos, ça se passe comme ça chaque samedi dans Reset et à n'importe quel moment sur votre baladeur vidéo grâce au podcast de Reset. Plus d'infos sur le nouveau podcast de Reset sur le net, canalj.net. Tous les fans de jeux vidéo et tous ceux qui ont envie plus tard de travailler dans cette industrie ont rendez-vous en ce moment à Paris, à la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette qui s'intéresse aux coulisses des jeux vidéo. Ça se passe en ce moment et forcément, on est allé voir ça de plus près. Pas de si près non plus, faut pas exagérer. Et ouais, si vous aimez les jeux vidéo, c'est par ici qu'il faut venir. Nous sommes à la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette, dans le nord de Paris. C'est là que se déroule jusqu'au 2 avril l'expo intitulée « Les coulisses du jeu vidéo ». C'est gratuit et ouvert à tous, mais pour vous donner encore plus envie, on va vous faire une petite visite façon Reset. Pour commencer, allons voir Fabrice Loury, le chef de projet de l'expo. Il va nous dire ce qu'on peut trouver ici. On a essayé un peu de présenter exhaustivement un petit peu tout l'univers du jeu vidéo. On propose aussi des tables rondes avec des professionnels et des chercheurs qui travaillent beaucoup sur le sujet. Les parents aussi sont invités, évidemment, hein, sachant qu'il y a beaucoup de choses aussi pour les parents, à savoir, par exemple, ben, comment choisir son jeu quand on veut acheter un jeu à ses enfants ou à ses petits-enfants. Allez hop, allons voir ça de plus près. Pour commencer, vous pouvez ici mettre la main sur toutes les consoles actuelles afin de les tester, de les comparer, si jamais vous ne savez pas laquelle choisir. Ensuite, puisqu'il faut bien se cultiver, vous trouverez quelques exemplaires de vieilles machines comme la Jaguar d'Atari ou la Videopac, des antiquités très recherchées aujourd'hui par les collectionneurs. Évidemment, Cité des sciences oblige, des dizaines d'ordinateurs sont installés en libre service et les organisateurs ont même prévu des sessions de jeux en réseau. Mais ce qui vous attire le plus, ce sont les jeux qui sortent de l'ordinaire, comme cette version géante de Lightoy, les jeux de danse ou de pêche.
Toutes les semaines, vous pouvez aussi participer à des ateliers comme des quiz sur l'univers des jeux vidéo ou comment personnaliser soi-même un jeu créé avec le logiciel Flash. C'est précisément celui-ci qui nous a intéressés. Alors hop, on s'installe derrière un PC et c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on va faire, mademoiselle ? Bonjour, bienvenue à l'atelier. Durant cet atelier de 2 heures, je vais donc vous montrer comment personnaliser votre jeu vidéo, un jeu qui est créé sous Flash. Bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, on s'en sort très bien. Après s'être fait tirer le portrait, on met sa photo dans Photoshop, un logiciel de retouche d'image. On l'inclut dans un cercle. Et on l'envoie vers un autre logiciel nommé Flash, qui permet de faire des animations simples en 2D. Et voilà, on remplace le vaisseau par la petite tête et c'est fini. C'est drôle et carrément intéressant, car on apprend comment sont créés les jeux vidéo. Pour les plus curieux, cet événement a également prévu un grand nombre de conférences lors desquelles le public peut intervenir. Bon, là, ils sont un petit peu timides, c'est vrai. Les thèmes abordés sont nombreux, mais on retiendra surtout celles consacrées aux formations et aux métiers des jeux vidéo si vous avez envie plus tard de travailler dans cette industrie. Et ça, justement, on en parle demain dans Reset. Les coulisses des jeux vidéo, ça se passe en ce moment et jusqu'au 2 avril à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette. Mais si vous ne passez pas par Paris d'ici là, bah pas de soucis, parce que demain, on y retourne dans Reset. Chut. Ouais, ça va, calmez-vous, c'est les pubs, là, on peut parler quand même. Les gens sont nerveux, c'est dingue, hein. Oui, bah ça commence, alors on la ferme. Ouais, je suis venu voir Zathura, c'est un film de science-fiction un petit peu genre Jumanji, mais dans l'espace. Oui, bah vous sortez maintenant. Ouais, ça va, bon, on va laisser se calmer, on s'en parle après le film. À tout de suite. Si vous avez aimé le film Jumanji, alors vous craquerez sûrement pour Zathura, le prochain long métrage où les héros sont victimes d'un jeu de société bizarre. Évidemment, le jeu accompagne le film et il débarque sur PlayStation 2 et Xbox. Allez, on commence avec un mot sur le scénario. Au fond de leur cave, Danny et son grand frère Walter découvrent la boîte d'un étrange jeu appelé Zathura. À peine la partie commencée, ils se retrouvent propulsés dans l'espace avec leur maison et découvrent qu'ils vont devoir aller jusqu'au bout du jeu pour avoir une chance de retrouver la Terre. L'histoire s'annonce passionnante et les amoureux de science-fiction vont apprécier. Bien sûr, les deux frères devront faire équipe pour avoir une chance de se sortir des pires situations. Chacun possède ses propres caractéristiques et on change de personnage à chaque niveau. Ainsi, Danny peut se déplacer dans les coins exigus et utilise un lance-pierre super high-tech pour vaincre les méchants. Walter, quant à lui, préfère le corps à corps pour se battre et sa clé à molette mettra au tapis n'importe quel robot ennemi. En plus des combats, les séquences de plateforme tiennent également une place importante. Malheureusement, il faut bien l'avouer, la prise en main est vraiment laborieuse et on est obligé de recommencer plusieurs fois une même action qui à la base est ultra simple. Au bout du 5e saut dans le vide, on commence sérieusement à s'énerver. D'ailleurs, les angles de caméra ne sont pas non plus une référence en la matière et on n'y voit souvent pas grand-chose devant soi. Bref, techniquement, on est très loin de ce que peut faire une Xbox ou même une PS2 dans le genre. Les décors sont également tristes et sans vie, on ne peut pas dire que les développeurs aient fait un gros effort sur la déco. De plus, l'action est super répétitive et on se lasse rapidement de fracasser des robots dans tous les sens ou de pousser des boutons pour ouvrir les portes. En gros, c'est pas très original et ça se sent. Allez, on s'arrête là et on retourne sur Terre car il est temps de faire le point sur ce qu'il faut retenir de Zathura qui débarque sur Xbox et PlayStation 2. Tout d'abord, l'histoire est excellente et vous embarque dans une aventure passionnante à travers l'espace. Les fans de science-fiction vont adorer. Ensuite, le fait d'incarner les deux héros du film permet de varier un peu les plaisirs. Enfin, les textes et les voix sont en français et ça, c'est toujours une bonne chose. Bon bah moi je vais voir. Ce machin nous a amenés ici, il pourra peut-être nous faire rentrer. Du côté des points négatifs, on note de gros problèmes de caméra qui gâchent carrément la lisibilité de l'action. Ça, c'est pas cool du tout. La prise en main est également exécrable et arriver à sauter d'une plateforme devient vite un cauchemar. Pour finir, les décors sont assez laids et les niveaux n'ont pas bénéficié d'une grande créativité de la part des développeurs. Au final, Zathura est une petite déception, un jeu qui manque sérieusement d'originalité et d'intérêt. La note de Reset s'en ressent, un simple 12 sur 20. Le film, signé par l'auteur de Jumanji, est sorti mercredi au cinéma. Le jeu vidéo de Zathura est lui aussi disponible. Sur PS2 et Xbox, c'était le grand test du jour, à l'instant dans Reset.
En revanche, pour voir le grand test de Full Auto, il va falloir être patient car le jeu n'est pas encore disponible sur Xbox 360. Mais comme les jeux vidéo, c'est ici qu'on les découvre avant les autres, Full Auto sur Xbox 360, c'est tout de suite dans Reset. Et c'est avec ce jeu qu'on se souhaite une bonne route, un bon après-midi et qu'on se donne rendez-vous demain pour la suite de Reset sur Canal J. Ciao. Au-dessus des lois, tout comme moi, marginal, 113. T'imagines pas ce qu'on a dans la tête. Alcoolique, nocturne, octambule, la résine dans les tresses d'urine, toujours ceux qu'on accuse. Dans toutes les combines, les réseaux, les plaques tournantes, là où se turbine, la source, ça s'alimente. Or la loi, qu'est-ce qu'on considère en rêve aux grands, même petit dégébus. Face à la rengaine, des gaines, des gus, attrape alcool, le barman, j'ai rouge. Les jeunes ken, c'est après qu'ils se disent bonjour. Disjonctés, armés, mappés, les factures et les pots cassés. Même endettés, on est tâté, palpé, marginal. Arrête-moi si tu peux, l'inamné, vas-y, on met l'euro. Pense au capital, au monopole, jusqu'en affolé Interpol. On a nos propres langages et nos codes bolos. Envoie la caillasse qu'on décolle. C'est comme si le monde tournait sans toi. Au-dessus des lois tout comme moi. On vit au cœur des blocs avec nos règles. Mais personne pourra briser nos rêves. C'est comme si le monde tournait sans toi. Au-dessus des lois tout comme moi. Stressé, oppressé, même blessé. Eh, ça a carrément l'air d'envoyer un Full Auto. Bon, c'est pas tout, mais demain, on remet ça avec la suite de notre visite de cette expo consacrée aux jeux vidéo à la Villette à Paris. On testera Pac-Man World 2-3, il y aura bien évidemment des tips, des news. Et puis côté avant-première, vous serez les premiers à découvrir le prochain Onimusha Dawn of Dreams en préparation sur PS2. Bref, vous l'avez compris, on va pas vous la faire à l'envers. Alors soyez là demain pour la suite de Reset sur Canal J à 13h40. Bye.